Et oui, c'est normal si le son se coupe, vous le savez, c'est Avermedia. Alors oui, aujourd'hui, on va faire des duels en ligne. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer mes decks. Tu fais le mot... Non, c'est moi qui fais le mot de passe. Oui, oui, ce sera plus simple. Mais d'abord, je monte mes decks. Alors je sais que ça peut paraître un peu tricheur, parce qu'il y en a dans le chat qui vont évidemment m'affronter, qui connaissent mon deck, mais c'est pour le bien de la VOD, bien sûr. Donc créer un... Ah non... Ouais, créer un deck, consulter la recette, voilà. Donc, je me suis fait... un deck pyro, psychique n'est pas complété, je me suis fait un deck démon, et j'ai... Alors le deck dragon il a plus rien à voir, enfin, il y a beaucoup de cartes qui ont changé dans le deck dragon, et je pense que plus tard il faudra qu'on se crée un deck Wyrm de Asana, mais il me manquait encore quelques cartes. Vas-y, je vais montrer le deck pyro, modifier ce deck. Donc en vrai... il faut vrai pour ceux qui sont pas allés jusqu'à la fin du jeu, il faut vraiment aller... enfin, pour ceux qui sont allés à la fin du jeu mais qui sont pas allés plus loin, il faut vraiment aller jusqu'au post-game, quoi, parce que on débloque quand même 2 boosters dans le post-game. Hein. On enlève juste le chat là, pendant... Alors, on enlève le chat pendant les trucs. Donc du coup, le deck pyro, l'avantage du deck pyro c'est quoi? En fait, on utilise Blue Eyes dans un deck pyro, bien sûr. Ah ben, il faut profiter des légendes, hein. Les légendes, il faut les mettre, hein, il faut en profiter. Hein. Donc oui, pyro, en fait, ça joue sur les... Mais le marmite d'adité, mais t'as cru que je l'avais? Si je l'avais, oui, je l'aurais mis, mais je ne l'ai pas. J'ai eu trappe, mais c'est pareil, mais je préfère avoir dans ce deck-là un Blue Eyes plutôt qu'une trappe. Donc oui, dans le deck pyro, on a des monstres normaux, puisqu'en fait, on a des petits effets qui marchent plutôt bien avec les monstres normaux. Par exemple, Extra Spice, le ninja nouille d'élite. Envoyez un monstre normal de type pyro face recto depuis votre terrain au cimetière. Infligez 1000 points de dommages à votre adversaire. Piochez une carte. Évidemment, lui, c'est x3. Ça fait plaisir. Prima Kitarna, je l'ai mis parce qu'en fait, les pyros, ils ont tendance un peu à se booster. Notamment avec les cartes magie et piège. Par exemple, l'art des nous de la saverie qui booste de 400 fois le nombre de monstres pyros sur le terrain. Non, en fait, c'est plutôt l'adversaire qui va perdre une attaque de 400 fois le nombre de monstres pyro sur le terrain. L'art des nouilles pimenteries qui augmente de 300 points d'attaque et qui fait des dégâts perçants. Et donc, j'ai pris ma Guitarna qui booste. Et je crois... Voilà, il y a aussi Spice, le ninja nouille d'élite qui, pareil, peut booster également les monstres pyro. Donc, on a lui aussi, Magmas. En fait, ils augmentent un peu tous leur boost, quoi, finalement. Et donc, ouais, alors par contre la musique elle est chiante parce que littéralement cette musique là c'est la pire musique, enfin c'est une musique dramatique alors qu'on est à l'école et du coup elle reste dans le menu et ça franchement je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais on changera de zone après pour avoir une meilleure musique parce que là c'est chiant. Il y a un anti-backrow dans pyro en fait, si on a minimum 2 monstres de type pyro fasto sur le terrain, on inflige 300 points de dommages à l'adversaire, si on a infligé des dommages, on peut détruire une carte magie ou piège sur le terrain de notre adversaire, vraiment top tier. Littéralement. Et alors la carte piège top tier également c'est celle-là quoi. L'étoile filante Chasu. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou invoque spécialement un monstre de minimum niveau 5 face recto, change la catégorie du jeu. Non. Gagnez des LP égaux au niveau d'un monstre type pyro sur le terrain x200. Ensuite renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Normalement on est d'accord, on renvoie dans la main le monstre qui a été invoqué spécialement et pas le nôtre. Mais je ne sais, mais ça j'aimerais bien le déterminer. Est-ce qu'on renvoie le monstre adverse ou c'est le nôtre? Parce que c'est bizarre en fait, c'est dans la catégorie effet et non les conditions. Mais c'est pas précisé lequel entre le monstre qui a été invoqué spécialement ou alors le monstre que j'ai renvoyé dans la main. Donc ça va être une petite découverte qui fait plaisir. Et voilà quoi. Bon, j'ai 43 cartes, voilà. Et donc non, si jamais pour ceux qui arrivent, je suis dans la catégorie Master Duel pour le référencement. Parce que c'est rigolo. De toute façon, il n'y a personne qui navigue dans la catégorie Rush Duel. Attends, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a des gens actuellement qui sont dans la catégorie Rush Duel? Je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'il va y avoir 0 personne. Alors, ce 0 personne aurait pu être une. Alors, Yu-Gi-Oh Duelings. Alors, ah, la catégorie Dawn of the Battle. Ah bah, aucune chaîne en française. Ah bah, aucune chaîne. Allez, hein, voilà. Alors que Master Duel... Il faut d'abord mettre Yu-Gi-Oh Master Duel. Alors que Master Duel, combien y a-t-il dans la catégorie 27 spectateurs, bah c'est nous. Voilà. Voilà, je suis tout seul dans la catégorie Master Duel. Donc en fait, ça revient au même, tranquille. Ensuite, on a Démon. Master sera la semaine prochaine. Bah en fait, on n'en sait rien. Mais on considère, comme ils ont mis la catégorie sur Twitch, que en fait, il devrait bientôt sortir, puisque s'ils l'ont mis dans la catégorie Twitch, c'est pas pour rien. Enfin, c'est ce que la plupart des gens considèrent. Alors du coup, Démon. Il y a un trailer, ouais, un trailer à minuit. Démon, c'est un peu bizarre. En fait, on a pareil, on a des monstres normaux, mais cette fois-ci, ils sont level 1 avec 0 point d'attaque, puisque ça sert avec notre petit trône des ténèbres. Vous avez minimum 8 monstres avec 0 point d'attaque dans votre cimetière. Bon, en vrai, c'est chaud, hein, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ne vous inquiétez. Ah, mais c'est bon, il y en a aussi lui. Bon, on en a 13. Oh, quoique non, ça marche avec... Non, ça marche aussi avec lui-même, donc ça va. Et donc oui, et donc du coup, il invoque spécialement un monstre de minion niveau 7 avec 0 point d'attaque depuis votre main en position d'attaque. Donc là, on se dit, mais c'est bizarre comme deck. J'ai des monstres avec des sacrifices et j'ai littéralement 0 point d'attaque. Bon, alors Dahu, il va augmenter son attaque lorsqu'il va envoyer une carte dessus du deck au cimetière. Il va gagner une attaque égale au niveau d'un monstre face recto sur le terrain avec 0 point d'attaque x 500. Bon, là, on se dit, c'est pas fou. Mais avec Démon, on a Crâne invoqué. Donc ça c'est bien, qui est un monstre normal, en légende. Et donc on a la petite flûte qui permet potentiellement de la récupérer. Parce que le problème avec les légendes, c'est que comme on les envoie une, pour la récupérer c'est chiant. On a surtout un boss monster incroyable. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant un monstre de minimum niveau 5, vous choisissez un monstre de max niveau 8 face recto sur le terrain avec le plus faible niveau sur le terrain de votre adversaire. Et la carte a gagné attaque égale à l'attaque du monstre en face et vous détruisez le monstre. Donc ça c'est pas mal. J'ai trouvé ces muruleurs incroyables. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre avec 0 d'attaque depuis votre main face recto sur votre terrain et gagne attaque égale à sa défense jusqu'à la fin du tour. Et évidemment, bah, 0 point d'attaque mais 2500 de défense et là 2400 de défense. Mais je l'ai qu'en une seule fois. Vu que j'ai beaucoup de monstres de level 1, j'ai mis le scarabée. Il gagne de l'attaque avec les monstres level 1 au cimetière. Et au niveau des cartes pièges, je me suis mis, allez, on met épée et bouclier. Que je n'ai qu'en x2, mais c'est vraiment drôle parce que j'échange l'attaque et la défense du monstre attaquant, mais aussi le mien. Donc en fait, bah, si l'adversaire attaque mon trône des ténèbres avec 0 point d'attaque, il se transforme en monstre à 2500 et l'adversaire attaque avec sa défense, quoi. Donc c'est assez drôle. Et on a des petites cartes pièges assez incroyables. Tu mets épée et bouclier sans la magie, mais je sais pas si je l'ai, faut que j'aille voir. Mais le problème, regarde, c'est qu'il y a Crâne invoqué, quoi, merde. Est-ce que j'ai la magie? J'en sais franchement rien. Il faut aller voir. Regardez le deck. Bah non. Non, non, je veux pas. Et parce qu'en fait, le truc, voilà pourquoi. Non, pas sauvegarder. Non, pas réinitialiser. Parce que en fait, le truc, c'est que je crois que ça tuto épée et bouclier, quoi. Bon. Mais est-ce que vraiment je la mets? Je ne sais pas. Peut-être, hein. Bah du coup je vais en rush rare. Ah, ouais mais je la mets, mais bon. En fait le problème que j'ai, c'est que Crâne invoqué, je me dis, me servira plus que bouclier épée. Parce que Crâne invoqué, c'est un monstre à 2500 points d'attaque, 6 étoiles. C'est incroyable. Mais bon, on peut se la jouer RP pour le moment. Et si jamais j'en suis pas satisfait, ce qui risque d'être le cas, peut-être. Parce que ça tuto épée, bouclier épée, quoi, en gros. Voilà. Enfin ça tuto. Depuis le cimetière ou depuis le deck? Depuis le cimetière. Donc ça permet également de reprendre une... de recycler la légende. Vas-y, tu sais quoi? Pour l'instant, on joue RP. Et plus tard, on jouera Sauvagerie. Et je vais quand même montrer mon deck dragon, tu sais quoi? Parce que mon deck dragon, il a quand même pas mal changé. Ouais, d'ailleurs, qui a le jeu, là? Dites dans le chat un peu. Mais t'avais pas de Joy-Con Drift avant, toi? Ah non, c'était un bug, c'était pas un Joy-Con Drift. Oui. Où il a changé, j'ai mis Ragias. Je n'ai pas le Dragias en x3. Incroyable. Je l'ai qu'en x1, mais j'ai mis Ragias. Du coup, bah, ça fait Miragas et Dragias. Au final. J'ai ajouté le dragon du surgissement ancien. Déjà de base, il faut se dire que on envoie la carte du dessus du deck au cimetière. Il gagne 600 points d'attaque. Juste, donc là, tu te dis, t'as un monstre à 3000 easy, comme le Blue Eyes. Donc là, j'ai 3 Blue Eyes, hein, si jamais. Bon, après, il faut défausser. Non, il faut même pas défausser, il faut juste envoyer depuis le dessus du deck. Si vous avez Dragon des Glaces Translucides et Dragon du Brasier Ardent dans votre cimetière, vous pouvez mélanger tous les deux dans le deck. Et si vous le faites, vous pouvez détruire un monstre face recto avec max 1500 de défense sur le terrain adverse. Bon, c'est pas notre stratégie principale. Donc le Dragon des Glaces Translucides est un monstre un peu nul, je l'ai mis en une fois. Le Dragon du Brasier Ardent permettre de détruire une carte magie de terrain face recto sur le terrain de votre adversaire. Oh merde, c'est une magie de terrain. Oh, c'est vraiment de la chiasse. Attendez, je le vire, je le laisse en x1. C'est vrai, j'avais lu magie. Oh merde, magie de terrain. Bon, bah voilà, on met en x1, mais c'est pas la stratégie de base. Voilà. En fait, le deck a pas tant changé. En fait, finalement, le deck a pas tant changé que ça. Je vous ai un peu menti, j'avoue. Mais grâce à ça, j'ai découvert qu'une carte était pas si ouf que ça. Ok. Et donc, attendez, on va changer de zone là parce que la musique, frère, c'est bon quoi. Eh mais si, il y a quand même du drift, hein. Pourtant, c'est le bon celui-là. Ah non! Attendez. Mais non, mais celui-là, il a plus de piles. J'en sais rien. Enfin, plus de piles, plus de batterie. Ah, évidemment, il veut pas se connecter, hein, comme ça, c'est la balade. Bon, c'est pas grave. Du drift là-dessus, sur du Rush Duel, bon, on s'en fout un peu, quoi. Il commence déjà à m'énerver. Ne vous inquiétez pas, peut-être on va misclic. Alors, du coup... Ouais, manette pro, c'est vrai. Mais moi, regardez, attends, j'ai quand même tout ça, hein. Moi, il y a tout ça, là. Il y en a beaucoup, mais en fait... Celle-là, j'ai joué avec cet après-midi, elles ont plus de batterie. Là, je peux les recharger là en attendant. Et ça, c'est intelligent, intelligent comme garçon. Et donc celle-là, c'est celle qui chargeait cet après-midi quoi. Voilà. Alors, du coup, comment ça va se passer? En fait... Déjà, il faut le Nintendo eShop Online, là, pour ceux qui veulent jouer. Et le jeu, accessoirement. Et donc, en fait, quand je lance une game, je vais dans... Ah, je remontre toutes les étapes. Il faut aller dans Match en réseau. Dueliste à distance. N'importe qui en adversaire. Voilà. Et après, je mets saisir un mot de passe et commencer. Non, c'est l'inverse. Vous, ça sera saisir un mot de passe. Moi, ça sera définir un mot de passe. Et donc, en fait, vous voyez... Ah, j'ai pas ma fonction de zoom. Voilà, j'ai créé une session CMPQE. Et vous, bah du coup, vous pouvez saisir le mot de passe pour commencer. Et vous saisissez CMPQE. Et ne vous inquiétez pas, il reste là-haut, en haut, à droite de l'écran. Voilà. Je peux même l'écrire ici, CMPQE. Voilà. Et donc du coup, eh bien, c'est comme ça que vous pouvez m'affronter. Mais je vais attendre un petit peu, j'attends... Faut que non, vas-y, je recherche tout le temps. On va voir les plus rapides. Voilà. Et vous me direz qu'il y a le jeu, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup qui avaient le jeu. Adversaire trouvé, parfait. Ima 2000... Alors attendez, il faut pas... Bon, il va voir quel deck je vais utiliser, mais c'est pas grave. Oh là là, il a déjà fait du online, hein. Il a une victoire. Ah, c'est toi l'organisation. Il a déjà une victoire en online. Donc voilà. Et donc pour ceux qui n'ont pas le online, vous avez un essai gratuit. Ah, c'est pas toi, ah, ok. C'est un autre. Ah, c'est bien, on est plus à avoir le jeu. On est plus que deux à avoir le jeu, c'est très bien. Oh là là, le tapis Romine, ça régale. Ça régale directement. Et donc moi j'ai pris l'essai gratuit de 7 jours. Si jamais vous l'avez pas utilisé, vous lancez le online, ça va vous demander oui, vous n'avez pas le hotline. Non mais pourquoi il y a les dialogues? Bon. Pourquoi il y a les dialogues online alors que tout est supprimé? Littéralement dans le jeu. Mais pourquoi il y a les dialogues dans le mode online? Et pourquoi il peut chain alors que... Attendez, vraiment il peut réfléchir à chaque fois? Oh, c'est incroyable. T'es sûr que tu vas pas relancer un normal sans MDP? Non, 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 j'ai... Tranquille. Il y a bien le MDP, il y a bien le mot de passe. Attendez, je suis sûr qu'il y a un... Attendez, Non mais je vais me laisser un monstre quand même. Oh là là. Bon, je pose les deux. On va se laisser un monstre quand même pour le prochain tour. Il a 1200, il peut servir. Ah mais c'est catastrophique. Ah oui, je remets le chat pour la VOD. C'est qui Ima 2000? Mais c'est normal, attends, il ne streamac pas. Ou alors imagine quelqu'un a tapé le mot de passe au pif. Non mais c'est impossible. Ok, ça pose des monstres. Ça, la protège carte Curie. Mais en vrai, du coup, c'est giga con de mettre un protège carte en fonction de son deck. Puisque du coup, on sait tout de suite quoi je joue. Ça se voit là. Donc en fait, il faut que je mette un protège carte magicien des ténèbres. Mais Athème, sois sérieux 2 minutes, est-ce que c'est vraiment toi pour de vrai? Oh, il joue le deck up, démon. Oh merde, 2500 points de défense. Oh merde. Ok, je draw. Oh là 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 là. 2500 points de défense. Une seule carte face cachée. J'ai 300 points d'attaque en plus. Ok. Lui... Tu vois toute la main. Oh là là. Pourquoi 2 minutes? Oh là là. Ah mais c'est compliqué. Là c'est très... Peux-tu dépasser tes limites? Mais il me bloque le terrain. Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi. Laissez-moi vivre ma vie. Je vous en supplie. Les emotes qui prennent. Ah mais c'est catastrophique. Mais je suis vraiment dans la merde hein. Est-ce que dans les menus là, est-ce que là je peux cliquer sur le menu? Ah bah oui, gros menu hein, menu c'est juste abandonner ou rien. Bon toi non. Bon. J'ai envie de me meuler d'une carte là. Attention, je défausse une carte. Je vais faire des dégâts perçants sur un monstre qui en aura beaucoup trop. Bon alors malheureusement, je vais pas utiliser ça hein. Je sais que c'est un gros monstre. Mais vas-y, on s'en fout, on attaque quand même. Voilà, c'est celui à 2004, voilà. Déjà c'est pas celui à 2005. Mais au moins il est face recto maintenant, ce qui veut dire que le prochain tour, je peux lui réduire sa défense. Avec mon petit golem. De 600 je crois. Et je peux augmenter mon attaque. J'ai vraiment cru du Master Duel, ah je m'excuse hein. Mais c'est vrai qu'ils ont mis la catégorie, c'est drôle. Peut-être on repassera en Rush Duel plus tard. Peut-être. C'est pour le référencement, mais je sais pas si le référencement va marcher. Si on a 100 viewers ce soir, c'est que le référencement aura marché. Ouloulouloulou. Ah, c'est le scarabée, mais il joue vraiment le même deck que moi en fait. Incroyable. Il joue vraiment le même deck. Oh waouh, il a défaussé l'écroulement des chaises. Et... Attention. Ah, il monte à 2000. Serait-ce assez pour me battre? Je ne sais pas. Oh là là. Mais attends, il a vraiment 0 en défense en fait. Il a la piège. Bon, il a la piège, hein, on le sait. Ouais, par contre, il a vraiment cru qu'il allait m'avoir. Je sais que t'as la piège du coup, mon pote. Je sais que t'as la piège. Oh là là, attends, mais c'est le Spice Ninjato. Oh là là. Oh là là. Attends, je peux mettre 1000 de dégâts. Grâce au monsieur là. Le ninja. Les nouilles. Alors je vais évidemment pas attaquer son monstre avec mon Spice Ninja. Oh là, bah bien sûr, l'animation de la nouille. Regardez-moi ça. Alors, il est plus très nouille. Je suis d'accord. Je vois pas où sont les nouilles. Mais elles sont là. Dites-vous qu'elle est là. J'active mon effet. Je vais entamer tes points de vie. Oh là là, mon effet qui peut se faire counter. Je sélectionne ça. Boum. Oh là là. Il y a une animation pour ça. Insane. Je pioche. Ok. Je vais invoquer mon... En fait, je vais l'attaquer avec mon Kuribot. Ah mais mon Kuribot, ça ferait beaucoup de dégâts en vrai. Mon Kuribot se ferait défoncer le Huc. Mais bon. On va essayer de détruire son scarabée. Vas-y, j'active quand même l'art des nouilles. Je vais essayer de détruire tout son terrain, même si je pense que ça n'a pas marché. Je pense que ça n'a pas marché pour son terrain. Bon. Je mets ma piège. Et je pense que je vais attaquer son petit mec avec mon Kuribot. Au pire, je me prends beaucoup de points de dégâts, mais je perds pas mon gros monstre. Et c'est ça le plus important. Battle. Kuribot, attaque ça et fais-toi prendre la piège. Par contre, s'il a pas la piège, c'est incroyable. Oh, voilà, la piège, elle est là. Oh, c'est âme de l'ermite. Mais non. C'est âme de l'ermite et... Ok. Mais attends. Oh, y a un problème là. Je mets des dégâts perçants, mais... Bon, est-ce que cette fois-ci, c'est l'autre... C'est la piège. Ah, cette fois-ci, c'est la piège. Bon. Ok. Bon, j'ai 1200, il passe à 2004. On se prend pas tellement de dégâts. On se prend très peu de dégâts, à vrai dire. Bon, le problème, c'est que c'est jusqu'à la fin du tour. Donc là, en gros, on peut détruire le scarabée, puis point. Mais j'ai ma piège. Ouais, just a scratch. Tout à fait. Je vais te scratcher la gueule. Tu vas voir. Bon, on a perdu quand même quelques dégâts, mais on a viré la piège. Enfin, on a viré 3 pièges en fait. Une par sa défausse et 2 par nos attaques. Et moi, j'ai... Ah, je peux pas voir mes cartes, c'est vrai. J'ai toujours ça. Je pourrais jamais la lire. J'ai pas le droit. Ouh, changer cette carte en... Si je changeais un monstre en position d'attaque en mode défense... Ah non, je pensais que c'était... Ouais, c'est le mien du coup. Ouais, c'est ça, c'est le mien. Le truc par une carte piège, invoquer un... Mais invoquer un Magmax... Mais j'ai pas le droit de lire. J'ai pas le droit de lire. Encore un scarabée. Ouais, bon, le scarabée... petit top deck du scarabée. Mon Magmax en plus, je sais pas s'il va vraiment servir. Ah, 300 points d'attaque, c'est beaucoup, attention. 300 points d'attaque, c'est beaucoup, mais ça lui permet de détruire mes mobs, quoi. Mais là, par contre, il est dans le mal, là. Il est dans le mal, en vrai. Parce qu'il va détruire mon mob. Bah là, lire, c'est vrai que là, lire, c'est strictement interdit. Attends, il y a un problème, là. Du coup, ma carte, elle s'active quand, mais... Attendez, vous voulez savoir une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai une... Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai une main de merde. La bonne nouvelle, c'est que... C'est dans le... Attends. Depuis votre cimetière. Aïe, 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 aïe. La bonne nouvelle, c'est que je peux détruire son mob avec mon Kuribot. Oh, c'est tellement de la merde. Au secours. Au secours. Quelle main dégueulasse. Mais laisse-moi... En vrai, c'est à peine chiant les dialogues qui apparaissent. Bon, moins 500, on va reprendre notre Kuribot. Bon, là c'est vrai que c'est un peu dommage quand même, hein. Cet enchaînement de mobs là. En plus, je peux rien poser quoi. Bon, tu sais quoi, Kuribot, oh mais non, mais c'est tellement nul. On va poser toutes les magies. Enfin, on va poser surtout celle-là qui augmente. Ouais. Okay. Et on attaque le petit monsieur qui a 0 point d'attaque, défense. Mais en vrai, par contre, dans... Oui, 0 point d'attaque. Mais dans sa main, aucune carte piège. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Mais ça veut dire que là, il a des monstres level 8 dans sa main, là. Et moi, j'ai posé toutes mes cartes. Ouais. Ça va être chaud, quoi. Un monstre à 0. Attends, il peut pas le reprendre avec. Ok, il invoque un guerrier à 1700. Ok. Sortir un maximum, imagine. Maximum Shoken. J'attaque ton Kuribo. Et après, bah, je fais rien d'autre. Bon, pour l'instant, il me met des dégâts, certes. Mais j'ai encore un monstre sur le terrain pour le moment. Ah... Ok. Le trône, mais ça n'invoque que depuis la main. Oh, t'en as un dans ta main, non. Moi j'ai pas cette carte hein. J'ai pas la carte en fait. Ah si, je l'ai. Dahut. Il a une animation lui. Mais attends, il fait quoi? Mais attends, c'est le même. Mais je suis trop con. Mais putain, mais je pensais pas qu'il avait une animation. Lui. Je pensais que c'était littéralement un autre. 4000. Ça va, 4000, c'est à peine 4. C'est pas beaucoup 4000, non? C'est pas beaucoup 4000, non. Mais par contre, il a 0 protection. Pas beau, ça va, 4000 en vrai. Oh, qu'est-ce que c'est 4000 dans une vie? Qu'est-ce que je pense de ta stratégie? Bah, ta stratégie actuellement... Ok, ça va, j'ai... J'ai un Kuribot. Ok. Magmax. Animation aussi pour Magmax. Oh, elle est stylée. Stylée, 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 stylée. Ok. Alors, son effet, envoyez un monstre de type pyro depuis votre main au cimetière, détruisez tous les monstres en position de défense. Ah, superbe. Donc là, je peux gagner l'attaque. Et je peux lui en faire perdre. Génial. Bon, alors là, en fait, je suis obligé d'aller détruire ces deux mobs. Mais vous imaginez bien que actuellement, si je sais ce que je vais faire, je vais être obligé de faire un truc. Je vais être obligé d'augmenter mes points d'attaque et de poser l'étoile filante. Je suis obligé. Mais d'où tu réfléchis? Ah oui. Donc c'est ça pour augmenter mes points d'attaque. Parce qu'il faut que je pose la piège. Bon, on va dire que c'est l'avantage. Enfin, je veux dire, c'est le désavantage de son deck. C'est que certes, il a eu un monstre à 4000, mais derrière... Derrière, ces monstres, ils repassent à 0. Et si t'as pas la piège... Ah! C'est pour ça que moi, pour moi, la carte magie, légende, bouclier et épée, bon, le fait que ça soit justement une magie, bon, bah, dans ce format, du coup, c'est pas incroyable, quoi. Et qu'au final, faut peut-être mieux de la giga protection, genre une trappe ou un truc comme ça, en légende. Du coup, je partirais même pas sur mon crâne invoqué, je partirais même juste sur trappe, quoi. Ah, tu peux créer ta propre route, d'accord. Je retiens. Il pose une carte. Il invoque un monstre. Ok. Oh non, la flûte! Après, il peut reprendre un monstre normal. Oh, la flûte. Un monstre. Et si je testais un peu les limites de cette carte piège? Pour voir exactement ce qui se passe. Ouais, c'est bien ça, je sélectionne ça. Et en fait, le monstre revient dans ma main. Mais du coup... Ok. Mais je regagne que 600. Ok. Ok, ok, ok. Non, la carte piège, elle est nulle en vrai. Celle-là, je la virerai, elle est pas ouf. Ok, je pensais pas que c'était dans ce sens-là en vrai. Juste remonter à 2002 hein. Ah mais en fait moi je pensais vraiment qu'elle aurait pu être pétée. Oh là là, il abuse hein. Qu'elle aurait pu être pétée et enlever le monstre adverse quoi. Parce que là par exemple dans ces cas là c'est un peu mal foutu. Oh monsieur. Oh ça va être incroyable. J'ai le brasier. J'ai le brasier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais le brasier. Bon, après, par contre, j'ai pas l'étal. Aussi infliger 300. Et oui! Et oui! Je vous l'avais dit! Les 300! Battle! Oh là là, je vous l'avais dit! Les 300, le brasier qui permet de gagner cette game. Boom! Par contre, ton monstre à 0 point d'attaque, là en vrai, il a un peu abusé quand même. Hein. Ça se voyait à 15 000 km ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas, GG Ima 2000, c'était quand même une belle game. J'ai sué quand même. Vous n'avez pas encore ajouté en tant qu'ami. L'ajoutez maintenant. J'ajoute en ami des gens, je m'en fous. Carte à points d'amitié rush. Ah ouais? Mais non, en tant que bonus d'ami rush, la récompense de GP de votre prochain duel sera multipliée par x2. Demandez une revanche. Non. Ima 2000... Je cherche avec les mêmes conditions. Ima 2000... Ah mais merde, vous n'avez pas le mot de passe du coup. Attendez, je vais vous retrouver le mot de passe. Ah, il est là le mot de passe. Bon, en fait, bon, au pire, je fais non. Quitter la session de duel. Ah merde, ça va changer le mot de passe là. Ça change le mot de passe ou pas? On va voir. En tout cas, GG, belle game. Hein. Franchement, pour mon premier duel en ligne. Eh, sympa. Super sympa. Là, c'est juste dommage. On va aller voir dans les... Je vais juste aller voir dans les options vitef. S'il n'y a pas moyen de... Bon là, le mot de passe, il sera reset. Pour les paramètres. Genre en ligne. Mais je crois pas qu'il y ait moyen. Il n'y a pas écrit genre en ligne, virer tout quoi. Ah non. Hein. Il n'y a aucun paramètre spécial pour les trucs en ligne quoi. Comment c'est possible? Popularisateur de Sevens? Comment ça? Le but de tous les jours. Eh bah on va aller en distance mon petit pote. N'importe qui. Définir un mot de passe. Voilà, vous allez avoir un nouveau mot de passe pour ceux qui veulent. C'est NMUBG. Voilà. NMUBG. La session est créée, donc ceux qui ont le jeu... Ima 2000, je te raffronterai peut-être plus tard si jamais on a fait tout le tour. Mais là, les autres qui ont le jeu, vous pouvez taper le mot de passe. BG. Ah bah ça... Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Voilà. Ah, on a trouvé quelqu'un. Xion. Nous allons donc affronter Xion. Vas-y, je reprends... Je fais ça. Xion, Xion. Je change de fenêtre. Ok. Ok, c'est le duel. C'est maintenant. Voilà, vas-y, je vais le... Ok. J'aurais dû changer de deck en vrai. Là, il connaît trop ma stratégie. Mon deck, il connaît trop ma stratégie. Est-ce que je dois lire les cartes ou est-ce que je dois absolument ne rien dire? Être en mode, ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est ce que nous allons découvrir. Tapis magicien des ténèbres, c'est donc un deck... guerrier. Car il y a du bait dans ce jeu, vous le savez. Sacrifice. Ah bah non, c'est vraiment le deck magicien en fait. Ouais, cette carte là, je l'ai mis dans mon deck. Ok. Bon. Magicien, nous avons le rideau, nous avons plein de trucs. Moi j'ai déjà... Ok. Bon, hey, vous savez quoi? On va déjà se la jouer. On va déjà se la jouer dommage perçant. Un monstre avec beaucoup de points d'attaque, de points de défense, un sacrifice. Avec un sacrifice, est-ce qu'on a autant de points de... Vas-y, tu sais quoi? Allez, vas-y, tu sais quoi? Go, go, go. L'art des nouilles de la pimenterie. On fait des dégâts perçants avec l'art des nouilles de la pimenterie. Je pose ça. Et on va attaquer. Alors, 2400, il y a des chances que ça passe pas s'il y a le rideau. Oh, ok. On attaque fort, hein. Par contre, là, attention, dans ce deck-là, il va falloir faire très attention à une chose. C'est le nombre de magiciens au cimetière. Il y en a déjà 2. Parce que à 4, on se retrouve avec la force miroir qui peut apparaître à tout moment. Donc, il faut faire très attention au nombre de magiciens qu'il y a au cimetière. Là, il y en aura 4 à la fin du tour. C'est obligatoire. Flux magique, ok, il va détruire une carte qui n'est pas incroyable. Qui permet de baisser l'attaque adverse. Donc ça, c'est utilisé, on va dire. Un donneur mystique qui va pouvoir défausser une carte pour pouvoir piocher une autre. Enfin, je crois qu'il faut défausser un magicien. Ouais, c'est ça. Donc il va... Oh, oh, s'il a défaussé la magicienne des ténèbres, c'est qu'il y a des trucs. Hein. Ouais. Il a la Witch. Witch plus le Road Sevens peut-être. Aïe. Là, la Witch plus Road 7, ça va être compliqué pour moi de follow. Hein. Honnêtement. Ah, que préférez-vous entre la Witch et Magmax en termes d'animation? Pas celui-là, hein, l'autre là. Ouais, aïe. Il a tout. Oh, double donneur mystique. Ce qui serait beau, c'est si tu as eu Road 7 avec le donneur mystique. Là, ça serait beau. Très, très beau. Ah mais le deck magicien, si vous voulez savoir, le deck méta magicien a des chances d'être le meilleur deck du jeu parce qu'il y a la force miroir. Il y a quand même un monstre qui peut dépasser un Blue Eyes. Il n'y a pas le défaut des 0 points d'attaque des decks démons. Et il y a plus de cartes utilitaires que dragon. Donc pour moi, magicien c'est clairement le meilleur deck. Même si je suis sûr qu'il y a des gens qui ont trouvé des techniques un peu stall, un peu chiantes. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai perdu, vous savez pourquoi? Parce que si jamais il a start avec la révélation des ténèbres, il y a 4 monstres au cimetière, ça va être très très dur pour moi. Oh, j'ai que des monstres, c'est perdu. Ça va être très compliqué là. Avec que des monstres, ça va être très compliqué là. Il m'aurait fallu au moins un brasier. Bon. Ouais, ça sent. Ah, c'est pas ouf. J'ai même pas de quoi détruire son Sevens en fait. C'est ça qui est terrible. En gros, là, je vais me jeter dans la gueule du loup. Et voilà. Et si ça passe pas, c'est perdu. En gros, hein. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'attaque Witch. Si elle a révélation, c'est perdu. Pas de révélation pour le moment. Donc, c'est qu'il n'y aura pas de révélation. Bon, évidemment, je me tape quand même la gueule. Hein. Voilà. Par contre, le problème, c'est que là, il me reste un monstre à 1007. Il faut que je tienne le board. Il ne faut pas qu'il y ait de Road Sevens, un autre Road Sevens. Car autrement, ouf. Bon, déjà, là, c'est peut-être la révélation qu'il a pioché. Hein. Bon, pas une autre Witch, hein. Ok. La cavalerie lourde, quoi? Oh non, la cavalerie lourde! Mais non! Mais pourquoi Asana dit cavalerie lourde? Bon, magicien des ténèbres. Oh là là, l'animation. Les meilleures animations du jeu, bien sûr. Bon, j'avoue, c'est quand même bien meilleur que Witch. Bien meilleur que la sorcière. C'est marrant. Tout ça pour gagner 0 points d'attaque. C'est marrant que l'effet continu soit comme ça en fait. On passe 500 pour le nom de magicien sombre. Ouf. Alors ça c'est pas mal ça. Ok. Bon, prochain tour il me faut quand même... il me faut quand même au minimum une carte piège, quoi. Moi, ça va être compliqué, hein. Brasier, Vitef. Ah, après j'ai ça. Bon, en vrai, Brasier, ça peut le faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, mais merde, parce que c'est pas... Pyro. Ah oui, c'est lui, il est magicien, c'est vrai. Donc en fait, il faut que je suis obligé de faire ça. Ah ouais, c'est con. Je suis obligé de défausser mon monstre là. Bon, tant pis. Parce qu'il est pas pyro. Ninja! Mais j'avais pas vu qu'il avait un cercle derrière. On dirait le cercle magicien et ténèbres, mais avec beaucoup moins de caractères, hiéroglyphes, tout ce que tu veux. Avant toute chose, on fait le brasier. Je détruis la nouvelle carte qu'il a posée. Et j'active l'effet du Spice, le nouille d'élite. J'envoie une carte, boum boum boum, on gagne de l'attaque. Et comme ça, en fait, ça me permet de passer ces deux mobs. Bon, avant, j'essaie de taper ça. Ok. Et après, je tape ça. Bon. On se tient, mais il n'y a pas la révélation pour le moment. Il en a une au cimetière ? Comment ça? Bon, autant vous dire qu'un Road 7, c'est je suis mort. Et là, il a le petit magicien, là. Je sais plus s'il peut le reprendre avec un monstre machin. Non, c'est pas lui qui reprend. La Witch, sans animation. Aïe, 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 non, il l'a... Ouais, s'il se sépare de ça. Ou alors c'est un autre magicien ou c'est le... Au revoir. Ah, magicien sombre, ok. Subliminal. Si t'as... En plus, tu as posé 1000 couteaux, là. Ah. Et moi, j'ai ni magicien sombre, ni magicien des ténèbres. J'ai pas réussi à drop le magicien sombre encore. C'est con, hein. Ah bah, faut que je fasse le code. C'est vrai, faut que je fasse le code aussi. Et là, t'as 1000 couteaux de poser. Voilà. Voilà, voilà. Mon petit Spice machin qui va mourir directement. Et mon petit monstre à 400 points d'attaque qui va pas faire long feu. Quelle catastrophe. J'ai eu aucune magie piège dans ce... Enfin, aucune protection dans la game, quoi. C'est terrible. Ah oui, pile le létal. C'est terrible. Brasier... Ah mais attends, Brasier est ma seule... J'ai eu que des cartes de boost. Enfin non, j'ai pas eu que des cartes de boost parce que c'est pas... Ça c'est pas une carte de boost celle-là, là. Si. Aucune carte de protection. Aucune carte de protection, quoi. Quelle catastrophe. J'ajoute en ami. Comme ça, j'ai un ticket. J'ai obtenu un ticket bronze, ouais. Ok. Si vous... Est-ce que vous en souvenez du mot de passe? Non, non, c'est pas ça le mot de passe. Attends, je peux pas supprimer mes commentaires, j'arrive pas. C'est pas ça le mot de passe. Le mot de passe, c'est... J'arrive pas. Oh là là. NumBG là. Non, vous savez quoi, à chaque fois, je vais revenir dans le lobby, c'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus simple. Mais bon, ouais, pile l'état là. Dommage, hein, dommage, hein. Parce que j'avais vraiment peur de la révélation des ténèbres. Voilà, dispersion, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, c'est vrai que je n'avais pas pensé à un petit 1000 couteaux posé depuis tout ce temps. Vous cherchez un match en zone malgré tout, bien sûr. Définir un mot de passe. Okay. Oh là là, celui-là, il est chaud, celui-là. Il est XWEHL. Je vous le note, mais vous pouvez pas copier-coller, c'est ça qui est génial. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Pas de copier-coller, mais NP. NP. Sachant que ouais, une fois qu'on aura fait le tour, peut-être qu'on fera des revanches. Et après peut-être que j'irai chercher des gens random dans le monde entier. Peut-être qu'il y en a des gens dans le monde entier, hein. C'est possible. J'ai même pas capté, j'ai même pas regardé avant le live s'il y avait des gens en ligne. Parce que tout à l'heure cet après-midi quand j'ai testé, il y avait personne. Genre, je mettais le moins de restrictions possible. Vous savez quoi, on va tester. Attendez. N'importe qui mais sans mot de passe. Attendez, pas la peine. Vas-y. Est-ce qu'il y a des gens dans le monde entier en ligne? Parce que ce serait plus drôle en vrai d'affronter des gens en ligne qui ne connaissent pas et tout. Il y aura personne en ligne, je vous jure. J'ai juré. J'ai juré. Il y aura personne en ligne. Ouais, en fait, c'est bah, toujours ça le problème. C'est un mode en ligne sur un jeu payant. Quand le jeu n'est pas très populaire, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Au bout de... Après, ah, bon, vous savez quoi, je vous donnerai votre revanche. Hein. Ceux qui m'ont déjà affronté, vous aurez votre revanche après. Parce que, ouais, c'est terrible. Hein. Vraiment, t'es en mode... Le jeu, il a un mois, quoi. Mais bon, comme c'est payant, bah, les gens ont fait l'histoire. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Une fois que t'as fait l'histoire, de toute façon, bah, voilà, c'est fini le jeu. Donc, au final... Au Japon, il y a des joueurs. Ah, mais c'est probable, oui. Du coup, si quelqu'un veut sa revanche, hein. Si quelqu'un veut sa revanche ou si quelqu'un n'a pas a eu le temps de lancer le jeu depuis et veut m'affronter, il peut. Il peut. Ah merde. Là-dessus, ça marche pas. Il faut que ça soit connexion. Ouais, bien sûr. Je peux faire du link sur replay de ma boule. Ah bah non, mais attends. Tant qu'il y a des gens pour s'affronter, on s'affronte. Tranquille. Easy peasy. Là le truc c'est que ouais, si je lance les replays de malade, bon vous n'êtes pas beaucoup, ça va être catastrophique. Hein. On va voter à 3, littéralement 3 personnes. Non, si on trouve personne, on ira tester un autre deck face à des bots qu'on n'a jamais affrontés pour voir jusqu'où va le jeu, pour drop des trucs de fou furieux. Adversaire trouvé. Du coup, Xion qui va me réaffronter. Je vais changer de deck. Je vais tester celui-là. Parce que je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas le jouer. Et justement, c'est ça l'intérêt. Changeons un peu de deck. Joba Junior veut se réaffronter. Veut s'affronter à nouveau face à Asana. Bien sûr. Je crois qu'il faut que... Ouais. Avec mon deck là. Ah mais vraiment je suis cramé mais putain. Mes pochettes Mes pochettes quoi. S'il vous plaît arrêtez-moi. Hein. Oh là là il y a un petit problème là. Vous ferez pas gaffe hein, j'ai des pochettes, je joue magicien. Ok. Alors là, ça c'est catastrophique. Enfin, non, c'est pas si catastrophique que ça, mais c'est pas bien. J'aime pas. Ok, en phase. Aïe aïe aïe. Oh, les pochettes scarabées. Scarabée tonnerre là. Oh là là. Guerrier de construction. Ah, c'est le deck d'Asana. C'est des Wyrms. Oui, c'est des Wyrms, c'est le deck d'Asana. Non mais, déjà. C'est Bâti Dragon en plus. Bâti Dragon, il est super fort. Bâti Dragon, il est incroyablement fort. Puisqu'il permet de réinvoquer... Je crois qu'il faut une magie de terrain pour pouvoir l'utiliser, je crois. Mais genre, il te réinvoque une Wyrm depuis le cimetière, bon bah voilà quoi. T'es bien quoi. Alors, je crois qu'il n'y a aucun effet. Non, il faut une carte magie. Un monstre normal. Ah, un monstre normal uniquement. Ok. Ah, je ne sais pas si je joue l'invocation maximum, parce que c'est vrai que l'invocation maximum c'est pas dingue. Est-ce que je tente la folie furieuse? Non, non, je peux pas tomber. Attendez, si je peux tenter la folie furieuse? Non mais c'est de la merde de faire ça. Ah, je le fais. C'est rien que pour vous. C'est rien que pour vous. C'est rien que pour vous. Bouclier épée. Tout ça pour avoir une piège en face. Hein. Vous l'aurez vu ici en premier. Bon, évidemment, il n'y a pas d'effet, hein, parce que j'ai rien dans ma main. Vous l'aurez vu aussi en premier, la piège. Oh, pas de piège. Ok. Ok, ok, ok. Bouclier épée, quoi. Qui a été rajouté sur les conseils de Xion, hein, d'ailleurs. Hein. Attention. Hein. Donc... Ah, encore le bâti dragon, ça a commencé à faire beaucoup. Ah, la magie de terrain, elle est là. Elle gagne 400 points d'attaque. Ok, c'est la meilleure magie de terrain du jeu, hein, si jamais. Parce que c'est 400 points d'attaque pour les Wyrms uniquement. Pas les autres types. Par contre, ils perdent 400 points de défense. Oh non, alors, il m'a détruit mon monstre, quoi. J'active mon effet écroulement de chaise. Tout détruit. On envoie des trucs au cimetière. J'ai envoyé du lourd, je crois. Oh, j'ai envoyé... Attendez, j'ai pas vu ce que j'ai envoyé, mais j'ai envoyé du lourd, je crois. J'ai envoyé un Dahut. Ok. Bon, ok. J'ai mon petit monstre. En vrai, je devrais coup de marteau, ça... Triangle réincarné? Qu'est-ce que ça fait, triangle réincarné? Mélangez 3 monstres du même type de votre cimetière. Ensuite, si vous n'avez aucune monstre position d'attaque, invoquez spécialement un monstre de max niveau 7 depuis votre cimetière face-tour sur le terrain. Oh, si j'avais eu connaissance de cette carte. Bon, je sais pas si ça va nous être préjudiciable ou pas, mais je pense qu'il y a moyen quand même. De toute façon, j'aurais détruit la magie de terrain de toute manière. Ah, 2300 points. Il a combien lui? Il a 1800. Durant le tour, vous invoquez normalement cette carte en sacrifiant un monstre de minimum niveau 5, ce qui ne sera pas le cas. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ah, il aura 1900 et malheureusement avec ça, ça ne marche pas. Bon, coup de marteau. Je vais envoyer... Quel choix délicat. Quel choix très délicat. Allez, j'envoie la chèvre. J'envoie la chèvre. Je vais détruire la magie de terrain qui pour moi est peut-être la carte magie de terrain la plus forte. Donc du coup c'est chiant. Et je pense que je vais juste sacrifier. Bon, on sera... Ah non mais attendez. Bah non, attendez, je suis très bien là. Non, je suis très bien, je peux me laisser comme ça. Parce que bon là, PR quoi. Mais c'est un peu trop... Je suis Kramed. Je suis un peu Kramed, hein. Je suis quand même un peu Kramed que j'avais ça. Hein. Je détruis quoi? Je détruis que ça. J'ai encore mis Dahut, c'est un scandale. C'est un scandale, j'ai encore mis Dahut au cimetière. J'ai mis son invocation maximum, là. Ah. Eh, l'invocation maximum au cimetière. Oh, attendez. Là, il y a peut-être des trucs, là. J'invoque mes deux trucs. Puis Je fais s'aimer rouleur. En mode attaque. Qui va me permettre en défaussant... Ah, il y a une invocation, il y a une animation pour s'aimer rouleur. Je ne l'ai jamais vue. Je crois que j'ai menti que je l'ai déjà vue. Ah non, j'ai jamais vu. S'aimer rouleur, l'invocateur des ténèbres. Et du coup, j'active son effet. Je défausse lui. Et j'invoque lui. Il va gagner une attaque ce tour-ci. Allez, il gagne de l'attaque. Écoute, il gagne de l'attaque. Il aura 0 pour le prochain tour, mais là, il a 2005. Et on attaque. Même si, bon, en vrai, à moins sera 0, ça va pas être fou le prochain tour quand même. Hein. Mais bon, vas-y, go. Attaque directement. Boum. Allez! Bon, on sera 0. En vrai, vous savez que j'aurais dû garder ma pièce, je pense. Mais ouais, enfin, il fallait anticiper le same rouleur, c'est sûr, mais la pièce là aurait été incroyable. Ah, quoique la pièce détruit aussi mais les cartes de mon côté du terrain, donc en vrai, vitef quoi. Bon, forcément, il détruit mon canapé. J'ai plus que 3100 points de vie. Là, ça va se voir là. Ok, même pas, je réfléchis. Passe recto. Ouais, c'est ça. Coup du marteau sur la chaise. Ouais. Coup du marteau, là. Non, vous savez quoi? Je vais faire coup du marteau sur... sur ça. Ouais. Celle qui vient de poser, tiens. Ah! Une carte magie. Bon, elle ne savait pas pour le moment. Ah mais attends, je serais... Ah, je pouvais l'invoquer spécialement lui, mais je m'en fous. Ça sert à quoi d'invoquer spécialement un monstre qui déjà de base avec une invocation, avec un jeu sur où t'as une invocation illimitée quoi. Bon en fait là les trucs qui seraient intéressants avec les rebelles, les royaux, c'est que je peux tout détruire sur le terrain, mais face recto quoi. Enfin un monstre niveau 4 ou moins. Et là évidemment bah là c'est un peu naze quoi. Donc je passe juste en battle et je détruis son mob. Ah, ça répond, ça peut répondre. Ça peut répondre. Alors, je ne connais pas toutes les cartes pièges du jeu, donc je sais pas exactement avec quoi ça peut répondre, mais ça peut répondre. Le terrain qui est de nouveau là. Donc, il gagne 400 points d'attaque. Il lui suffit d'avoir un monstre à 2100 points d'attaque pour m'arriver à la cheville. Ok. Ah. Je crois qu'il peut détruire une de mes cartes pièges. Oh non, mon... Ah non, il la renvoie dans le deck. Oh, c'est si fort. C'est gratos en plus. Bon, du coup, forcément, hein, je comptais avoir une invocation. Mais du coup, ça ne marchera pas. Pas d'invocation. Oh non, ça c'est de l'abus là un peu. Bon, là, il y a un peu d'abus quand même. Hein. Un petit peu d'abus quand même. Je virais ça. Il y a un peu d'abus quand même sur le draw là. Vraiment. Only abus. Je sais pas si ça peut mettre... je sais pas s'il a un truc pour me mettre plus de 600. J'ai aucune idée. Je sais pas s'il y a un truc dans le jeu qui met plus de 600. C'est quoi? Fait une attaque égale à... Oh là là, monstre level 10. Oh, mais non, mais non. Oh là là, d'accord. Bon, j'ai quand même ça, hein. J'ai quand même un truc qui me permet de survivre un petit peu, mais bon, ah non. Oh, c'est de l'abus. Ok, ça marche même avec autre chose que des... Ah si, c'est Tipouillum quand même. Ok. Ça me sauve, hein, pour le moment. Attends, non? Ça me sauve pas, je crois. Est-ce que c'est uniquement quand il met... Mais putain, mais laisse-moi... Votre monstre en position d'attaque. Oh, du coup, ça marche absolument pas. Quel enfer. Mais merde. La carte aurait pu être bien, au final, elle est pas bien. Enfin, elle va, tu vois, mais... Genre, si seulement ça avait été en mode juste une déclaration d'attaque, tu vois. Ah, GG, hein, en ayant détruit ta première carte qui enlève des points d'attaque, je ne me pensais pas à une seconde carte qui détruit. Mais bon. Non, on cherche pas l'autre adversaire. Quitter la sessionnée. Mais là, par contre, 2 draws de suite horrible avec uniquement des monstres sacrifices. Ça c'était terrible, ça, pour le coup. C'est vraiment terrible, terrible, terrible. Mais bon, le petit bâti dragon, hein, ça c'est un deck qui est incroyable, un bâti dragon avec la carte terrain. Pff. En compte, une carte de terrain qui augmente de 400, alors que la majorité des cartes de terrain augmentent de moins de points d'attaque. Et en plus de ça, augmente aussi d'autres types, quoi. Bon, est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce que Ima est encore là et veut sa revanche? Si Ima 2000 est encore là et veut sa revanche, qu'il me le dise dans le chat. Autrement, on tente une dernière fois le... on tente une dernière fois le mode en ligne. Ah mais Atem, je sais pas si c'était vraiment lui, il a pas voulu me dire. Ça se trouve c'est un inconnu. Il passait là, il avait tapé Master Duel sur Twitch. D'un coup il arrive. Ah Ima, si Ima est là. À ton avis, ah je ne sais pas. Hein. Je ne sais point. C'est ton petit frère qui joue. Voilà, ça y est, j'ai enfin décelé, c'est ton petit frère. Et ouais, je le savais. Boum. Bon. Alors, par exemple cette carte là, elle ajoute moins de points d'attaque. Rien que ça. Ah oui, c'est que 200 elle. Ah ouais. Bon. On pose ça. Allez, on veut les vraies techniques, hein. Les vraies techniques, vous connaissez. Ok. Pour l'instant, je vais garder ce que j'ai dans la main. En tout cas, c'est vraiment le meilleur perso, hein. C'est le perso qui fait uniquement que et que piocher là. C'est le perso qui a le syndrome du pioche. Oui, il faut regarder Twitter, Discord, tout ça quoi. Il faut abonnez-vous à mon TikTok là qui est déjà inactif. Abonnez-vous également, voilà, plein de trucs. T'inquiète. À quoi ça, le contenu téléchargeable sur le jeu? Je pense que c'est pour plus tard. Oh, Scarabée. Je pense que c'est pour plus tard quand ils feront une mise à jour. Ça se trouve, on devra télécharger la mise à jour par là, je sais pas. Heureusement qu'il a plus de cartes dans sa main. Hein. Bon, il a décidé qu'il allait à fond. Il allait à fond. Donc il va à fond, quoi. Oh non, le monstre attaque! C'est quoi? Est-ce que son effet, je peux choisir ou pas? Oui. DLC, je pense pas sur ce jeu, honnêtement. Honnêtement, je pense pas sur ce jeu qu'il y aura des DLC parce que... Enfin, déjà, là, je pense pas que le jeu a si bien marché que ça parce qu'il y a déjà plus personne en ligne. Donc si en plus ils font des DLC, il y aura littéralement 3 personnes qui vont le télécharger, même pas. Je pense que ce sera peut-être pour les mages, je sais pas en vrai. Ok. Maintenant, tu pioches du lourd. C'est du un peu trop... Ah, quoique. Ah, quoique. J'aurais dit c'est du un peu trop lourd, mais ça peut le faire. Ça peut aller. Bon, je propose d'activer l'effet... Oh là là, non, j'avais caché cette carte. Montagne. Et ouais, j'avais caché ma carte secrète. Le bébé dragon. Ainsi que le dragorite. Qui est donc... J'allais dire sur ma sleeve, pas du tout. Parce que c'est sur ma boîte de dueliste, pas sur ma sleeve. Évidemment sur ma sleeve, c'est ce monstre-là. Je ne l'ai qu'en un seul exemplaire, c'est un scandale. Mais... Dragias, dragon multi-attaque. Qui va Kugeki juste en fait. Et bon, dites-vous que le Rush Duel, même si c'est un peu flop, dites-vous que c'était un amuse-bouche pour le Master Duel. Voilà. Un superbe amuse-bouche. Dragas Rukt en file 2. Genre. Ah bon? Moi j'en ai qu'un seul. Ah, il doit y avoir un problème dans la matrice. Je ne sais pas, écoute. Ou alors je l'ai pas réaffronté depuis. Parce que moi j'ai mis Ragias x2, mais c'est parce que je l'ai eu dans les boosters. Quoi okay. Pourquoi il y a le... C'est quoi ce truc qui est apparu? C'était quoi ce truc qui est apparu? Genre... C'est trop bizarre. Ouais, il y a une animation ténébreuse là. Je comprends pas. L'animation ténébreuse. Ok, genre tu poses un monstre là. C'est tout ce que tu fais pour le moment. Attention, je pose un monstre également. Je sais, qu'est-ce que j'ai Ah. Ah, c'est-à-dire. Ah bon. Ah bon, vas-y, un petit brasier là. Non, j'ai... Oh, dommage. Il manque un peu, attends. Ouais, ça c'est très bien. Ah là c'est un peu dommage là, j'ai un peu trop de mobs là. Enfin de mobs, de gros mobs. Bien fat. Énervé, puissant. Mais Miragias, non, surtout pas. Je fais le gardien de feu. Et... Ouais. Oh, trappe. Oh non, la légende. La carte légendaire qui est arrivée. Bon. La carte légendaire qui est arrivée. Ok. Non, attends. Laisse-moi... activer mon truc. Ok, j'ai envoyé un truc naze. Nice. Les fourmis! Mais non, ça joue les fourmis. En fait, c'est juste l'animation pour signifier que j'ai droit à une autre attaque. Ok, mais je l'avais jamais vue. Voilà. Enfin, en tout cas, si elle passait, honnêtement, je pas remarqué. Par contre, là où je suis deg, je viens de remarquer, c'est que c'est vraiment dommage qu'ils aient coupé les ailes de l'artwork. Bah, ils ont coupé les ailes uniquement parce que il fallait pas que ça empiète sur les autres cartes, hein, mais c'est dommage en vrai. C'est moche un peu avec les ailes coupées comme ça, mais bon. Voilà. Ah, quand même, une invocation sacrifice. Et nous avons... Oh, pas mal. Il va mettre en mode def. Sachant que j'ai 1700 de défense grâce à la montagne. Donc grâce à la montagne, je résiste pour le moment. Mais peut-être qu'il a quelque chose pour augmenter un peu les points d'attaque. Ah non, ça refait un sacrifice pour un monstre à 2000 sans doute. Oh, le scarabée à 1007. Ok, le scarabée... Mais par contre, le scarabée, je comprends pas pourquoi, parce que il n'y a pas l'air d'avoir tant de monstres level... Ah non, c'est des monstres normaux ou c'est des monstres... Non, c'est des monstres level 1, hein, le scarabée. Il n'y a pas l'air d'avoir tant que ça. Bon, j'active un. Alors là, je peux vous dire, face au scarabée, je me fais pas chier. J'active et c'est le cogneur, le dragon pousseur qui va jarter. Et Miragias qui va rester en vie. Après, c'est vrai que Miragias, je dois faire une attaque pour que ça attaque deux fois. Mais bon, il a deux cartes pièges. Et là, au moins, on sait qu'il n'y a pas la force miroir, là. Bon, au moins, je peux invoquer le dragon pousseur, mais bon, c'est pas dingue. Quoique... À reprendre, j'aurais qui d'intéressant? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est invoqué spécialement. Ouf. Ok. Invoqué spécialement. Un monstre. Type insecte. Ok. Donc une petite fourmi. Petite fourmi easy peasy. Écoute, vas-y go, on active l'effet. Je vais me défausser de la pression draconique qui pour le moment ne me ouais, ne sert pas à grand chose. Je reprends un Dragias ou ça va commencer à se voir? Je pense que ça va commencer à se voir. Je reprends un Dragias quand même. Ça va commencer à se voir mais écoutez c'est pas grave. Je m'en fous que ça se voit. Allez hop! Le brasier. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque alors que vous avez 3 monstres de type insecte face recto avec max d'attaque, détruisez tous les monstres au max niveau 8. Ok, 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 mon pote. Le cogneur. On va voir le prochain tour. C'est vrai que là, là je vais devoir piocher des monstres. Hein, Quand même. Mais j'ai mon brasier quand même. Donc ça va. En même temps, il joue les petites fourmis. Les petites fourmis. Et je me suis moqué du deck petites fourmis dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors qu'en vrai, c'est des monstres level 1. Avec le scarabée, ça marche bien. Mais il faut des plus 1. Les cartes pièges plus 1. Il faut des trucs un peu pour réinvoquer les monstres normaux. Il faut des trucs encore. Mais il n'a pas tout montré, attention, parce que là nous avons la flûte. La flûte qui va permettre d'aller reprendre un monstre normal. Max Raider qu'on peut invoquer comme ça. Mais oui, parce qu'on peut invoquer le crâne invoqué avec la flûte. C'est un Max Raider quoi. Max mode défense. Ah oui, mode défense, c'est la flûte qui fait mode défense, toi bien. Ok, ok, c'est bon. J'étais en mode là, je me disais, attends, il y a un problème là. Non, non. Oh là là. Et du coup, le skill, attention. Comme la flûte invoque en mode défense, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, je pensais que c'était bloc attaque. Enfin, bloc défense plutôt. Mais non, c'est bloc attaque en fait. Ah non, on a quand même des plays. On a le tisseur qui peut se remettre... Ouais, elle a plus de cartes dans sa main. D'accord. Bon, si jamais je ne pioche que des monstres à sacrifice, on va devoir faire le brasier et ça va être catastrophique. Eh ben, on va brasier. Eh ben, on va pression draconique. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Je vais tout virer. J'ai envie de garder mon dragon phénix. Parce que je vais utiliser... Parce que je vais invoquer bien sûr... Alors je peux invoquer plein de trucs mais je vais invoquer le dragon phénix. Hein. Lui déjà c'est quoi? Envoyez une carte depuis votre main, un monstre de max... Non non c'est pas... Phénix. Ah, le coup dur, hein. What? Ah ouais, le coup dur. Oh, encore les fourmis qui vont revenir. Bon. Qu'est-ce que tu me réinvoques? Voilà, c'est très dur, il me reste 19 cartes dans le deck. Assez catastrophique. Ah, on active l'effet. Montagne qui va dégager. Je vais reprendre Dragas. On n'a pas l'étal, mais on s'en tire pas si mal, on va dire. Bon, 19 cartes, ouais, ça me laisse suffisamment de temps. Allez, boum! On active l'effet. Ah, un brasier en moins. Bon, tant pis. Derrière, contre nous, imagine contre des vrais joueurs. Ah, mais non, mais les joueurs en ligne seront pas meilleurs, hein. Voilà, là, tu sous-estimes un peu tout le monde. Non, les joueurs en ligne ne sont pas meilleurs. Les joueurs en ligne, globalement, auront à peu près les mêmes types de decks. La seule différence, c'est par exemple, imaginons des gars qui auraient abusé de la technique pour avoir l'argent du jeu et qui seraient allés chercher avec la boutique qui se reset tous les X temps, eh bien, toutes les cartes pour faire le deck opti et qui aurait optimisé un peu plus son deck, quoi. Ce serait ça la seule différence, mais... Même si là, effectivement, le deck dragon est quand même un peu plus faible quand même que ce qu'on a vu, hein. Il a un peu plus de mal. Mmh. 3 faces cachées qui a été piochée. Alors, nous avons le dragon... Attendez, je crois que j'ai toujours pas l'autre... Ok, il faut que je tente un truc. Est-ce que j'ai... Donc j'ai un surgissement. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait quand j'ai les deux? Ah, c'est face recto, c'est nul. Mélanger max de monstres depuis le cimetière de votre adversaire dans son deck. Mmh. Qu'est-ce qu'il raconte là? Laisse-moi jouer un peu, non? Un fou furieux, lui. Bon, j'active l'effet de Dragas, sait-on jamais, une fois qu'il y a une bonne surprise. Pas de bonne surprise, mais c'est pas grave. Je t'invoque, toi. Normalement, il faudrait commencer à économiser un peu les ressources. Mais... mais est-ce que je vais le faire? Ah, attends, B, je veux invoquer quand même lui. Ah, il faudrait quand même qu'économiser les ressources bientôt, hein, mais tranquille. Tu dois faire quoi, lui? Tu dois placer un monstre de type dragon de votre cimetière au-dessous. Ah, c'est pas au-dessus. Au-dessous. Bon, je vais quand même replacer un monstre qui pourrait m'être utile pour un moment, quoi. Oh merde, c'est que des monstres nazes. De chez nazes. Bah, je remets un phénix. Ah ouais, c'est de moins... Attends. C'est de moins de level 6, c'est ça? Bon, je gagne de l'attaque. Je renvoie dans le propriétaire. Je vais te renvoyer 2 monstres, 2 fourmis. Peut-être que ça peut l'aider en vrai, c'est ça le pire, mais bon, on verra bien. Bon, ouais, je vais essayer d'optimiser, on peut avoir un létal peut-être. Parce que là, il aura 1007. Bon. C'est une seconde attaque. C'est une seconde attaque. Donc d'abord on attaque avec lui. Mais sachant qu'il y a des +1 je crois et des trucs comme ça là maintenant. Ils sont là, les +1, les trucs, ok. On verra bien. Et il réfléchit, et là il y a un +1, d'accord, d'accord, il y a un +1. Aïe aïe aïe, quelle catastrophe. Là ça invoque depuis où? Depuis votre cimetière. Il faudrait lui enlever tous ces... Il faudrait littéralement lui enlever tous ces trucs là. Alors, comme c'est une seconde attaque, il faut que j'attaque tout de suite. Parce que c'est une seconde attaque. Ce n'est pas, il peut attaquer deux fois. Comment il ça? Il a dit à moi la victoire, c'est un fou furieux? Bah non. Bah non, justement, on n'est pas encore à la victoire là. Il a pas compris mon perso là. Il a rien compris un peu. Non mais stop. Ouais. Comment ça le calcul c'est compliqué, y a pas de calcul. Ah oui, je parle pour le bot. Oh là, il me pose... Oh non, en défense. Oh non, la défense. Oh non. Bon, ok. Oh, pioche un brasier là. Bon, évidemment, c'est le moment où on ne va plus mettre des cartes sur le terrain. Position de combat, boum. Bon, évidemment, on n'active pas l'effet parce qu'il n'y a pas de monstre à détruire au combat pour le moment. Je vais juste quand même mettre celle-là. Quand même, hein. Comme ça, on pioche une seule carte au prochain tour. Battle phase. On a l'étal avec tous les monstres, donc c'est parti. Attaquons. Je crois que quand l'animation elle se lance, c'est que c'est bon de toute façon, quoi qu'il arrive. Je pense pas que l'animation elle puisse se lancer et qu'après hop, fenêtre, boum, je... Voilà, ouais. Bon, c'était un peu plus long, mais c'était pas forcément serré. là ouais, Dragas, j'ai réussi à le reprendre plusieurs fois et c'est grâce à ça que j'ai gagné. Parce qu'autrement, sans les doubles attaques, là, on en était encore pendant quelques tours, je pense. Ok. Bon bah les deux seuls qui avaient le jeu, je les ai affrontés deux fois. On coupe la rediff là et on relance une, mais je sais pas pourquoi faire. Vous inquiétez pas. Un dernier duel pour sauver l'honneur. Ah attends, on coupe cette rediff. Mettez un like, il y aura une autre rediff. Je sais pas pourquoi faire, mais vous inquiétez pas. C'est... Abonne-toi.